Salut tout le monde, c'est Jim. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo s'il veut bien. Voilà, j'avais pas l'image de retour. Ça m'inquiétait un peu. Voilà. Donc, je disais, oui, salut tout le monde. Et donc, je refais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu parce que, j'ai dû refaire tout le système complet de l'inventaire et de la gestion du storage, du stockage général dans le hall. Voilà. J'ai rajouté aussi les attaques à distance, le bonus d'attaque à distance pour les armes. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là vous voyez, je suis en train de refaire justement les inventaires, remettre à jour tout ça tranquillement. Le storage aussi a été complètement retravaillé. Donc j'ai géré slot par slot, mais au moins comme ça c'est plus stable, c'est... je trouve qu'il y a moins de problèmes et ça fonctionne très très bien. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, tac. Alors voilà, donc là on a donc toujours les mêmes items. Hein. Voilà. Si on va sur Mila, je lui ai mis des couteaux dans l'inventaire aussi. Alors j'ai pas encore fait les équiper dans le. Dans le point equipment, pas encore, mais ça va être la prochaine étape. Voilà, donc voyez que là je peux les déplacer dans. Alors là j'ai fait un clic droit pour les déplacer un par un. Voilà, et je vais faire en sorte de faire un clic droit avec un shift ou un alt pour déplacer tout. Peut-être contrôle pour la totalité et le alt pour la moitié. Voilà, quelque chose comme ça, je pense. Enfin, je verrai bien, mais je pense que je vais faire soit un par un, soit tout. Dans un premier temps, déjà. Parce que c'est plus simple, hein, y a moins de... pas de calcul à faire. Voilà, donc si on les dépose ailleurs, tac, ça retourne dans le slot dans lequel ils étaient. Voilà, si je le mets là, ce bandage, ça revient dans son slot. Voilà. Donc pareil pour les bandages, hein, même chose. Et si on va sur Rive, c'est pareil. Voilà. Alors là, on peut déplacer. Voilà. Tac. Voilà. Et là, donc on a le storage ici. Donc on a 12 bandages dedans. Et si je prends un bandage et que je le mets dans mon storage, j'y vais. On est passé à 13. Voilà. Tac. 14. Et si on va sur Mila et qu'on fait pareil, hop, on est bien passé à 15. Voilà, donc tac, 16, voilà. Du coup, on va mettre quelques couteaux dans le storage. Hop, on a bien nos 5 couteaux qui ont été ajoutés. Et si on vient là, qu'on met notre petite pierre de rappel, elle a bien été ajoutée, ok. Maintenant, si je remets, par exemple, tac, on est bien à 18, il n'y a pas de souci. Et si on met le dernier couteau, il a bien été rajouté aux autres qui sont déjà présents. Parfait! Et donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, j'ai pas encore refait la mise à jour de la description des items là dans le storage, mais ça je vais le faire, c'est pas bien méchant. Et les couteaux aussi n'ont pas de description quand ils sont dans l'inventaire, parce que je les ai juste rajoutés pour tester en fait s'ils rajoutaient bien dans un slot vide les couteaux de lancer en fait. Comme la pierre j'en avais qu'une, à chaque fois je zappais entre les bandages et la pierre, mais je voulais voir si je rajoutais un troisième élément, est-ce que ça allait bien fonctionner, et ça fonctionne nickel et je suis très content, je me suis arraché les cheveux pour ça. Mais voilà,
Et donc là, ben, je vais bosser sur l'inverse, c'est-à-dire ben, en prendre un du storage et le glisser sur un perso et en fait l'ajouter et ben, dans l'inventaire du personnage en fait. Voilà. Donc on pourra sortir des objets et comme ça, ben, on aura ici nos persos, on n'aura plus qu'à glisser dessus, puis voilà, ils les auront dans leur inventaire respectif. Voilà. Mais là, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer ça parce que bah, je suis assez content de moi. Je me suis pas mal arraché les cheveux là-dessus. Mais franchement, je suis content. Je suis content. Voilà. Et bah, c'est parfait. C'est cool, c'est cool. Ça fonctionne plutôt bien là. Je suis assez content pour l'instant. Hein. Franchement, c'est sympa. C'est une petite gueule sympa. C'est pas. Alors, c'est pas extraordinaire, hein, je vous l'accorde. J'ai pas la prétention de dire que je fais un truc exceptionnel non plus. Mais voilà. Oui, j'ai mis le premier document en fait, qui va lancer un petit peu tout ça. Normalement, si on fait ça, voilà, tac, on devrait avoir ajouté ici, voilà. Et donc, on pourra s'y rendre en fait. Pour aller l'explorer. Et normalement, voilà, le document a été détruit en fait, puisqu'on l'a lu en fait. Ok. Et bah c'est cool. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu bah, l'avancée du proto. Voilà. Voilà, bah, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Tout dépend de quand vous regarderez cette petite vidéo. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Bye bye tout le monde.